Bonjour à tous, ici Arthur Clauss de La Vache Heureuse, apprenti nutritionniste. Aujourd'hui, nous allons voir Adrien qui est en train d'épandre du Digesta 100 tonnes après la récolte des métayes vendredi. Vous vous souvenez sûrement de la vidéo d'Anton qu'Angela a publiée qui parlait des métayes et des stades de récolte. En effet, c'est bien cette parcelle-là qui était composée justement de triticale, de seigle, de vesse et de trèfle de Michelli. L'objectif du métayer précoce est d'avoir un apport de fourrage tôt dans l'année afin d'avoir une forte teneur en MAT pour les animaux et ainsi produire du lait. De plus, cela permet de semer un maïs plus tôt et ainsi laisser plus de chances au maïs de bien se développer et de nous faire un fourrage de qualité. Alors bonjour, ici c'est la ferme pilote d'Anton Sidler. On est en train de dépendre du Digesta aux 100 tonnes après une récolte de métayer. C'est un métayer précoce. On a fait une récolte de 5,5 tonnes de matière sèche et hectare. Là, par la suite, on va faire un déchômage, puis semer le maïs d'ici une semaine quand les températures vont augmenter. Merci Adrien.